vous feriez bien de ne pas sous-estimer cette jeune personne. Son aptitude pour la magie dépasse tout ce que j'ai pu voir, et cela fait bien longtemps que j'enseigne. C'est une joie d'avoir un tel élément. Parfois, oui. J'ai reçu tout. J'ai pu avec la coque, le gobelin. Nous lui recouvrons. Vous n'avez rien vu ? Vous n'avez parlé à personne ? Non. En fait, je suis resté caché. Je n'y suis passé que récemment et je n'ai reconnu aucune des voix que j'ai entendues. Cela m'inquiète fortement. Je suis resté hors de vue pour ne pas leur donner l'idée de détruire mon portrait. Je dois vous informer que Victor Rockwood, votre descendant, est un mage noir, de mèche avec Ranrock. Mon descendant ? Un mage noir ? Alors nous devrions nous hâter. Malgré les obstacles qui vous attendent, vous devez vous rendre au château de Rockwood immédiatement. La prochaine épreuve s'y trouve, ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs entre de mauvaises mains. Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve. Sur place, essayez de trouver mon portrait au plus vite. Très bien, j'y vais. Pas de temps à perdre. Je vous rejoindrai au château de Rockwood. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Plus vite ! C'est le moment d'aller un peu plus vite ! Ici. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le professeur Rockwood avait raison. Les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Ranrock sont déjà là. Ils forment une alliance, c'est certain, mais pas des plus amicales. J'imagine que tout le monde est d'accord pour passer par un autre chemin. Allons-y. Restez sur vos gardes. C'est absurde, non ? Par corps, je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai si tu briques. Non, tu ne t'inquiètes pas. Tu as un dernier message à faire passer à ta maman ? Je crois que j'ai rien. Une expulsion ! Un éclair ! Et attraper une bestiole pathétique dans les... Je crois que... Un humain de moins à supporter. Expulso ! Espèce de lâche ! T'es droit pour chier ! Tu retardes l'inné... À genoux. Dis le mort, comme ça. J'ai l'impression que tu ne fais même pas d'effort. Confrindo.
ont tout pris. Pourquoi sont-ils encore là ? Ranrok a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer. S'il a raison, elles peuvent se trouver ici ou ailleurs. Où qu'elles soient, nous devons les trouver avant eux. Où est ce portrait ? J'ai entendu du bruit. J'espérais que ce soit vous. Professeur Rockwood, les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie. Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Si, comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau, alors cela signifie que... c'est impossible. Et monsieur, ils savent que vous êtes un gardien. Ranrok a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment ? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. Dites-moi simplement où aller. Croyez-moi, avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malin que Ranrok, ainsi que mon homonyme. Très bien, professeur. Dites-moi où aller. Je vous révélerai la voie. Mais le professeur Fig doit partir. Je me joindrai à vous si je le pouvais. Je vous attendrai dans la salle de la carte. Revelio.
Revelio. Action. Je dois aller à gauche ici. Mais comment ? Revelio. Revelio. Thank you.
Quel soulagement. J'ai hâte d'entendre Isidora nous conter ses voyages. Entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir. Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père, voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora. Qu'avez-vous fait? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot, et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Vous êtes de retour. Ah, formidable, vous revoilà. Et en un seul morceau, qui plus est. C'est bon de vous revoir. Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer? C'était quoi ce fil incandescent qu'Isidora a retiré de la poitrine de son père? C'était de la douleur. Vous comprendrez mieux ces actes quand vous réussirez les épreuves. Je suis prêt à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niam Fitzgerald. Comment allez-vous? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravie de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Il m'a été demandé de vous enseigner le sortilège d'explosion, Bombarda. Revenez me voir après les cours, quand vous aurez accompli les tâches que je vous ai confiées.
j'aimerais s'entretenir avec vous, quand vous aurez un instant. Bonjour, Chick. Tu voulais me parler ? Oui, Chick a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction pour pouvoir élever des créatures. Allez ! Ma mère disait... Aux trois balais après l'attaque du troll ? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braviers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Olmagiar t'évoque quelque chose ? Je crains que non. Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné mais j'ai été vanté de tout l'or qu'il gagnait. Aux dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée ? Par ici. Un centaure. Fais bien attention. C'est la troisième fois que je vois un fangu aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué, moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état. Revelio. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant ? Il y a quelque chose ? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobelin. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher, mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers ? Regarde, là-bas ! Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici ? Je ne vois pas de créature. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion ? Ou une approche un peu moins discrète ? Pas facile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Après ça, je... Ça fait longtemps que j'ai pas tué une licorne. Alors...
Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord ? Regarde. Revelio. Un autre dragon. On dirait un noir des Hébrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit de faire. Allô, Mora. Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Ils vont le regretter. Prendre le sortilège de métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'avéreront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Incendio!
Dommage qu'il n'y ait eu personne pour me voir cette fois-ci. Arrête au momentum. Tous mes devoirs sont finis. Ma mère veut me parler. Je crois qu'elle sait ce qu'on m'a dit. Très bon travail. L'endroit est comme ça. Je devrais peut-être me trouver de la branchiflore. Mais il faudrait quand même que je nage. Je devrais descendre ici. Que vous mijotez. Rebellion. C'est donc ça, le port souterrain ? Plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Je vais te poser quelques questions. J'ai entendu dire que le professeur Weasley avait transformé le livre qui contient les réponses en hibou pour empêcher les élèves de tricher. Mmh.
Asseyez-vous. Asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme. Comme je vois en chaque... Excellent travail. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Il semble que vous ayez fait bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. J'ai entendu dire que vous pouviez concocter une impressionnante potion Edurus. Cette potion peut s'avérer très utile, mais j'espère que vous n'en aurez pas besoin de si tôt. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Votre visite dans les cuisines et dans le cimetière de Préolard avec Nick pour soutirer des informations à... Je souhaitais simplement en savoir plus sur le château et sur ses environs. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous aider, bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêt pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Tic, retrouve-moi au Belvédère, au nord de la forêt interdite. Je vais tout expliquer. Mon plan initial a échoué, mais j'ai une autre idée. Nous devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans une mine de gobelins au sud de Poudlard. Je vous y attends, et amenez quelqu'un qui parle le Gobelbabil. C'était un cours intéressant. Grâce à toi. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial. Merci pour ton aide. J'espère que Sharp n'a pas été... Le professeur Sharp était agacé, mais ça s'est arrangé, ne t'en fais pas. Alors tant mieux. Il a dû bien rigoler quand on est parti. Sharp semblait bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa...